Me llamo Leticia, soy viajera y en ese episodio vamos a descubrir los secretos de la palmera de Escora. Ah bah, je me présente, c'est Mohamed de Ecofarm, Tamalait, Nskoura, la palmeraie de Nskoura. En te souhaitant le bienvenu. Un oasis de paz en el medio de la palmera de Escora, donde solamente puedes encontrar armonía, bienestar y felicidad. Nos vamos de aventura descubriendo los secretos que hay en ese pueblo y en esa naturaleza. Et il y a un chef Oui, qui... il y a un chef qui savent tout l'héritage des familles, Tiscata, l'autre. Et lui, parfois, il l'arrange. Mais toujours, on discute avec lui avant d'y aller pour prendre. Ouais. Il y en a des gens aussi qui volent. Ça, c'est une signe, ça veut dire attention. Ah bon? Oui, vous ne l'ouvrez pas. Mais c'est dommage, maintenant, il est... Et ouais, c'est ce qu'on Et disait. en ruine, oui. Ouais. Mais la plupart, c'est à cause de l'héritier. Ils sont pas toujours d'accord. Ouais. Tu vois, chacun. Donc, il laisse. Voilà, il laisse. Et les héritiers sont. Ils sont loin. Ils sont grands parce que les familles, Beaucoup. ça grandit, ils ont beaucoup. Et ils te disent, ah, qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai 4 mètres, 5 mètres. Et l'autre, elle dit ça et ça. Et à la fin, il laisse tout le monde. Mais c'est une richesse. Ben oui. Vraiment, c'est dommage. Et c'est une ancienne architecture. Y mientras caminamos por la palmera, descubriendo cómo la naturaleza está creciendo en primavera, nos acercamos hacia un lugar muy especial donde vamos a encontrar una persona increíble que vive en Escora. Et ça, soyez le bienvenu. Merci. Si l'atelier de travail ici, c'est la première étape. Je prends de la... Thank you.
J'adore le tourisme. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Rien de choquant, Jésus. Là aussi où tu habites, tu vas venir te voir. Merci beaucoup. Choquant. J'adore les petits oiseaux là. Oh là là, c'est tout. Ouais, c'est bien en ruine. Ouais. C'est la maison des oiseaux. C'est hyper sec. Ça fait combien d'années que c'est sec? 4 ans. Ça fait 6 ans en plus. Ça fait 10 ans maintenant. Ah ouais. 10 ans. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le changement climatique. L'écoferme, c'est une entreprise familiale? Oui, c'est une entreprise familiale pour la famille, les frères. On est une petite coopérative. J'aime bien de faire des choses recyclées, comme par exemple ici, on a des bouteilles qu'on va jeter sur la nature, mais on a profité de faire cette entrée et ça allume le soir. Et bien ça donne la lumière verte ici et en même temps, et là-bas aussi au restaurant, c'est la même chose. Ici aussi, c'est vers les champs. My name is Hisham. I am from Morocco, from Skoura Eco Farm, Jamelait. Two brothers is working together. We have many things in gardens. We have some fruit. Yeah.
trois mots importants pour toi. Les trois mots qui représentent l'importance dans la vie, c'est quoi? Moi, c'est Salam, c'est la paix, c'est pour le monde. C'est ça le principe. Pour avoir tout bien, pas de guerre, que des bonheurs, Inch'Allah. Choukram. Voilà. Que de la paix, Inch'Allah. Et des bonnes choses pour tout le monde. Au monde. C'est ça qu'on espère, Inch'Allah. Que ça va arrêter toutes les maladies, toutes les guerres, tout ce qu'il y a pas bien pour les traînages. Ok. Voilà. Et je dis salut à tout le monde. Choukram. Voilà. Vamos. Allez. Vamos.